Tu as des problèmes Et des musclés Alors voici Problèmes Musclés, la vidéo qui répond aux problèmes de tous les musclés Salut à tous les musclés et bienvenue dans cet épisode numéro 2 des Problèmes Musclés Et aujourd'hui, je vais complètement annihiler les points faibles Donc cette vidéo est encore une fois adressée aux pratiquants qui ont déjà un certain niveau, parce que si tout ton corps est un point faible, bah je te conseille d'aller voir la vidéo pour les débutants en situation! Donc, quand tu vas commencer à progresser, tu es en stress, tu es en panique, c'est ta hantise le point faible. Tu te demandes quel muscle va te casser les couilles à l'avenir? Lequel sera le fouteur de merde, le maillon faible? Et donc, quand tu auras acquis un certain niveau en musculation, que tes muscles seront globalement développés, eh ben, tu vas effectivement remarquer que tu vas avoir un groupe musculaire ou même un faisceau musculaire qui est à la traîne par rapport aux autres. Et donc, ben, ça va effectivement gâcher l'esthétique du corps, ça va ressortir, c'est le premier truc que tu vas voir. C'est comme si tu passais des semaines à faire un puzzle à 5000 pièces, et que à la fin, il t'en manque une! Putain, la puissance de la frustration. Eh ben, en musculation, c'est pareil. Et alors, ben au delà du côté esthétique, il y a encore plus grave puisque tu peux avoir des risques de blessures accrus tout simplement parce que tu vas avoir des déséquilibres de force ou des déséquilibres posturaux. Donc en cas de déséquilibre au niveau des épaules, ben, par exemple, tu peux avoir des risques de tordinite au niveau de la coiffe de rotateur. Moi, c'était mon cas euh, quand j'avais mes pecs en point faible, ben, la coiffe de rotateur prenait trop dans sa gueule et donc ben j'avais des douleurs à ce niveau-là. Et depuis que j'ai rattrapé mes pecs, eh ben j'ai plus aucun souci alors que j'ai gagné en force que ma diète n'a pas changé toujours fruits légumes viande donc euh, c'est parfait et je suis très content de mes super épaules et donc bah tu vas vouloir corriger ce point faible ce qui est logique et donc bah, pour apprendre à corriger correctement un point faible bah il faut d'abord que tu saches quelles sont les causes les facteurs les raisons de ce point faible et donc ben bah, je vais expliquer ça maintenant donc la première cause évidemment la plus logique bah c'est le fait que tu n'entraînes pas le muscle tout simplement donc si tu n'entraînes pas les jambes t'étonnes pas d'avoir des jambes de saut elles. Et donc, ce qui est marrant dans ce cas-là, c'est que t'en as qui aiment quand même porter des shorts. Et ce qu'ils font, eh ben, ils entraînent juste les mollets. Moi, j'appelle ça un cache-misère. Putain, c'est dégueulasse. Heureusement, et c'est bien fait pour leur gueule, en général, les mollets ne suivent pas, puisque les mollets se développent de pair avec les cuisses. Ce qui nous amène à la deuxième raison du point faible, c'est que si tu as un entraînement incomplet, eh ben, tu vas avoir des muscles qui vont pas se développer Puisque tu vas perdre en efficacité, en force hein, Il faut savoir que le corps c'est un tout Et que sur tous les exercices tu vas avoir beaucoup de muscles Qui vont servir à te stabiliser Et la stabilisation te permet d'être plus fort Donc par exemple euh, Les jambes permettent de te stabiliser au développé couché Si tes jambes sont trop faibles Tu vas perdre en stabilité au développé couché Donc tu vas perdre en force au développé couché Et tu pourrais avoir un pec au point faible Bon moi j'ai des grosses jambes j'ai quand même eu un point faible au pec Mais euh, voilà il n'y a pas de règle spécifique euh, Mais il faut savoir que... Un Entraînement complet permet d'avoir un développement optimal, c'est logique. Mais euh, voilà, apparemment, on a qui oublie cela. Ouais, je fais pas les trapper parce que c'est pas beau. Oh, je fais du vélo pour les jambes. Et après, t'as plein de points fait partout. bah ben oui. Alors, euh, le troisième facteur de point faible, ben là c'est le contraire, c'est lorsqu'un point fort va parasiter le travail d'un point faible. Donc euh, l'exemple, ben, c'est grosse épaule et manque de pec, gros biceps et manque de dos, euh, gros ischio et manque de quadriceps, ou l'inverse. Donc voilà, tous les muscles interagissent entre eux et il se peut qu'un point fort euh, vole en quelque sorte le travail du muscle que tu veux développer. Donc un point fort pour vite situer ce que c'est, ben en fait c'est l'inverse d'un point faible, c'est un muscle qui a tendance à être plus fort, à se développer plus vite, et donc ben évidemment s'il chope le travail d'un autre muscle, eh ben il va se développer encore plus vite, puisqu'il va être encore plus sollicité. Et tantôt ça m'énerve Ça m'énerve parce que un point faible, un point faible Hein, c'est un mélange de points forts et de points faibles. Non, c'est une connerie. Mais donc un point fort, tu te dis c'est bien, il est super gros, excellent, excellent, excellent. Et puis après, bah, tu te rends compte que bah, il parasite complètement le travail d'autres groupes musculaires. Et euh, donc après, tu te dis bah ok, je l'entraîne plus, histoire qu'il redevienne dans la moyenne. Sauf que vu que c'est un point fort, eh bien, il met une plombe à régresser. Et donc c'est embêtant parce que ça prend du temps. Et tant que le point fort gêne autant un point faible, eh c'est compromettant pour son développement. Est-ce que c'est percutant et étant donné que non ça va, j'arrête. J'imagine que ça doit être irritant d'entendre tout le temps TEMPS Et j'ajoute que le programme de BodyTan a un prix exorbitant. Alors, trêve de plaisanterie, parce que là ça ne va plus rigoler. J'ajoute que euh, tu peux avoir plusieurs points forts, comme tu peux avoir plusieurs points faibles. Et le problème, c'est lorsque les points forts se liguent contre un point faible. Donc par exemple, tu peux avoir des biceps en point fort et des deltos postérieurs en point fort qui vont complètement niquer le travail des dorsaux, comme tu peux avoir des deltos antérieurs en point fort et des triceps en point fort qui vont complètement annihiler le travail des pectoraux, ou tu peux avoir des grosses fesses et des ischios qui vont tout prendre au squat à la place des quadriceps, et là, ben, le point faible est complètement dans le passé. Là, il est lâché, il est abandonné, hein, donc il faut absolument le rattraper, le faire revenir dans le muscle game. Alors, la quatrième source de point faible, eh ben, ça peut être tout simplement la génétique euh, des insertions musculaires. Si tu as un muscle extrêmement court, bah effectivement si tu as que du tendon eh bien évidemment t'as beaucoup moins de potentiel pour développer le muscle que pour une version plus longue. Mais ça ne veut pas dire qu'un muscle court est spécialement un point faible. C'est juste que si tu as le combo point faible plus muscle court alors là tu as le combo ultime du perdant. Tu vas galérer toute ta vie. Mais ça ne veut pas dire que tu dois négliger ce point faible. Hein, il faut quand même le travailler. Il faut pas se dire oh c'est un point faible on pourra jamais rien y faire. Non. Il hein, faut pas faire le défaitiste. Sinon, tu vas choper des points faibles partout et tu seras un faible tout court. Et on arrive donc au cinquième facteur de points faibles, et eh bien ça peut être des problèmes de système nerveux. Donc par exemple, évidemment, si tu es paraplégique, hein, ou t'as pété le bas du dos, eh ben, fatalement tes jambes, tu pourras jamais les développer. Mais euh, évidemment, il y a des problèmes moins graves que ça qui peuvent impacter sur le développement musculaire. Comme par exemple des compressions nerveuses qui peuvent arriver au niveau des épaules, des coudes. Ou tout simplement si tu as une hernie discale grave, ben, tu peux avoir une compression au niveau des racines du nerf sciatique. Et donc bah, tu peux perdre en force au niveau des jambes Et donc bah, ça peut créer un point faible Donc le meilleur moyen de lutter contre des compressions nerveuses eh bah, C'est tout simplement déjà bah, d'effectuer des étirements divers et variés En dehors de ces séances hein, Ce qui va permettre bah, de décompresser un peu tout Et aussi bah, tu dois adopter une posture ouverte lorsque tu exécutes tes exercices Donc tu bombes bien le torse, les épaules bien en arrière Et là bah, tu vas limiter les risques de compression nerveuse lors de l'exécution d'exercices Si tu te mets tout en boule, tout recroquevillé sur toi-même Et eh bah, là tu vas à l'inverse augmenter les risques de compression et tous les soucis qui vont avec. Alors maintenant, nous allons voir comment faire grossir un point faible. Donc, comme j'ai déjà dit, un point faible est un muscle qui a tendance à progresser plus lentement et à régresser plus vite. Donc, en toute logique, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Eh ben, on entraîne plus le muscle qui progresse plus lentement et qui régresse plus vite. Désolé, j'ai une petite absence là. T'es dans ta jalousie Je suis dans mon hypoglycémie. Glucose, glucose, viens voir papa si tu l'oses. Putain de sèche de merde Donc, les deux facteurs ultimes pour faire grossir un muscle, eh ben le premier, c'est la faculté de pouvoir contracter volontairement le muscle que l'on veut travailler. Donc, par exemple, tu fais des élévations latérales pour développer tes deltoïdes latéraux. Mais on sait très bien que les trapèzes supérieurs peuvent intervenir sur ce mouvement. Donc, il faut absolument que tu te concentres pour ne pas que ce soit tes trapèzes qui prennent le dessus. Hein? Et ça, bah, c'est valable absolument sur tous les exercices. Donc ça, eh ben, c'est le premier facteur, c'est le plus important. Le deuxième facteur qui est hyper important aussi, eh ben, c'est la tension avec laquelle le muscle va être stressé. Donc, en quelque sorte, c'est la force. Hein, du muscle et du circuit nerveux qui l'alimente. Évidemment, à côté de ça, tu as d'autres facteurs comme l'étirement du muscle, la congestion du muscle, mais il faut savoir que ces facteurs sont inhérents à ces deux premiers facteurs ultra hyper importants. Donc, pour corriger un point faible, eh ben, il va falloir absolument progresser sur les deux facteurs, c'est-à-dire le recrutement du muscle et sa force. Maintenant, on va voir comment organiser son entraînement pour, pour faire, faire ça. ça. Donc, le premier cas qu'on va voir, eh ben, c'est le cas où tout un groupe musculaire est en point faible. Tu ne manques pas que d'un seul faisceau. Par exemple, pour le triceps, eh ben, tu manques de tout le triceps. Tu ne manques pas que seulement du vaste externe ou de la longue portion, non. C'est le combo ultime, ton triceps est faible. Dans ce cas-là, eh ben, tu vas devoir travailler le groupe musculaire deux fois sur la semaine. Et tu te souviens des deux facteurs Eh bien, ça tombe bien deux séances, deux facteurs, on va faire une séance pour le recrutement du muscle et une séance pour la force du muscle. Et là, tu es sur la road tout super point faible de la mort qui va devenir ultra point fort. On s'est compris là Parce que j'ai postionné partout, c'est dégueulasse. On se croirait à la cascade de coups. Donc la première séance de la semaine sur ton point faible va être la séance de force. Parce qu'il faut que tu sois prêt pour avoir un max de force. Donc sur cette séance, il va falloir que tu travailles avec des séries plus courtes. Hein, on va rester entre 5 et 10 répétitions. Pas de dégressive, il faut que tu sois le plus fort possible sur tous les exercices et sur toutes les séries. Alors évidemment, il faut que tu fasses toujours attention à la sensation musculaire, mais... Étant donné que tu travailleras en séries plus courtes, eh ben ce sera plus difficile. Mais ce n'est pas grave. Le but, c'est que ton point faible prenne quand même dans sa gueule et progresse en force. Et pour être sûr qu'il prenne dans sa gueule, il y a quelque chose de super qui s'appelle la pré fatigue Donc, le but de la préfatigue, eh ben, c'est de congestionner le muscle en point faible avant de le péter avec des gros exercices. Donc, tu vas faire 5, 6, 7 séries de 25, 30, 40 reps avec des entrepôts courts afin de bien échauffer le muscle de le faire brûler un petit peu et de le congestionner. Donc si tu fais ça, tu ne vas pas perdre en force sur les exercices après, parce que c'est facile, c'est léger, il n'y a pas de traumatisme nerveux, hein, c'est vraiment tranquille. Donc, dans mon cas personnel, je faisais des écartés à la poulie vis-à-vis -vis vers le bas, léger, tranquillement, et mes pecs, ils étaient là « Ha ha ha, ça chatouille Ha ah ah ha ah. ha !» Et puis après, PAM Développé, couché, 150 kg, pecs explosé en train de pleurnicher. Donc vu que sur cette séance tu privilégies le travail lourd, eh ben évidemment tu fais des exercices polyarticulaires hein. Et après ben, tu peux faire quand même de l'isolation, deux à trois exercices d'isolation, ça euh, c'est comme dans toutes les séances bien faites. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un exercice polyarticulaire ou un exercice d'isolation, eh ben j'en parle dans la vidéo sur les débutants. Donc voilà pour la première séance. Après tu fais donc la deuxième séance qui elle va être plus axée sur le recrutement musculaire, donc ce sera du travail plus léger. Et là, ben, à l'inverse de la première séance en lourd, eh ben, tu feras plus d'isolation que de polyarticulaire. Alors, il faut savoir qu'un point faible, c'est un peu comme la SNCB. C'est en retard et c'est fainéant. Donc il va falloir que tu fasses en sorte qu'il se bouge en face au gros cul de muscles faibles de merde. Et donc pour ça, tu vas faire des séries plus longues. Tu vas rester entre 12 et 20 25 répétitions histoire de congestionner à crever et de te concentrer au maximum sur les sensations musculaires. Dans cette séance, tu peux faire des séries dégressives, mais on va voir après que ça va être un peu compliqué au début et qu'après ce sera de plus en plus facile. Ça j'explique par après. Et donc dans cette séance, eh ben, tu ne commences pas par des séries de pré-fatigue, tu commences directement par un exercice polyarticulaire. Et donc bah vu que tu mets plus léger, eh ben là tu pourras te concentrer au maximum sur la sensation du muscle travaillé sur un exercice polyarticulaire. Et après bah tu privilégies les exercices d'isolation en séries longues afin d'apprendre à bien travailler le muscle, à bien le sentir, à le congestionner et à le développer. Alors pour ce qui est des séries dégressives ou des séries complexes, eh ben au début ça va être compliqué de le faire parce que tout va travailler sauf ton point faible sur ces séries-là parce que par exemple, si tu fais des écartés pour tes pecs, eh ben vu que c'est en point faible en général, ça va être tes deltoïdes qui vont cramer avant tes pecs. Et donc bah il faut que t'arrêtes à partir du moment où tu sens plus un autre muscle travailler que celui que tu veux travailler, eh ben tu arrêtes ta série, même si t'as pas été à fond, même si t'as pas été à l'échec, tu arrêtes. Ce n'est pas grave, tu verras qu'au fil du temps, que ton point faible va se développer, reprendre le dessus, eh ben tu pourras faire des séries de plus en plus longues, des dégressifs de plus en plus longues, et c'est là que tu remontes la pente. C'est là que ton point faible se développe parce qu'il travaille de plus en plus, et donc ben, tu verras que au fil des mois, au fil des années, même peut-être, eh ben ton point faible va se résorber, et va grossir. Donc voilà pour rattraper un point faible total. Donc par exemple, tout ton pec est tout plat. Hein, c'est de la merde. Là, putain, là, là. Maintenant, on va voir le deuxième cas, c'est si il manque un morceau de muscle. Donc dans l'exemple du pec, eh ben tu manques juste de haut de pec. Donc dans le cas où il manque juste un faisceau musculaire, c'est tout de suite plus facile à rattraper. Donc tu as ta séance principale à proprement parler. Et dans cette séance, évidemment, tu vas devoir complètement matraquer le faisceau en retard. Donc déjà, ça coule de source. Mais le premier exercice va devoir être consacré au faisceau en retard. C'est logique, puisque c'est là que tu as le plus de force, d'énergie, où tu es le plus concentré. Et donc, bah, sur cet exercice, il faut que tu matraques complètement le faisceau en retard le plus possible. Donc, sur ta séance principale, euh, 60 à 80% de tes exercices vont devoir être consacrés au faisceau en retard. C'est logique. Le reste, eh bien, ce sera éventuellement un exercice qui a tendance à travailler tous les faisceaux, donc un exercice polyarticulaire, un hein, de masse, et éventuellement un ou deux exercices d'isolation afin d'entretenir les faisceaux qui ne sont pas en retard. Donc ça c'est pour ta séance principale, mais évidemment ce n'est pas tout. Ce serait trop facile. Donc, il faut que tu fasses une séance de rappel pour le faisceau en retard. Donc, cette séance de rappel, eh bien, évidemment, tu la places à 48 heures de ta séance principale. Et tu effectues 6 à 8 séries de 15 à 25 répétitions sur un à deux exercices qui vont isoler le faisceau qui est en retard, qui galère sa mère. Donc, voilà, quand tu as qu'un seul faisceau en retard, eh bien, évidemment, c'est tout de suite plus facile à rattraper que tout un groupe musculaire. Avec cette manipulation-là, tu es sur la road tout. Groupe musculaire complet. Et enfin, il reste une troisième éventuelle manipulation à faire à son programme en cas de point faible. Eh ben, tu te souviens quand j'avais dit qu'un point fort pouvait travailler à la place de ton point faible Eh ben, justement, ce point fort, eh ben, il faut lui péter sa gueule quand un point fort inhibe le travail d'un point faible, eh ben, il faut que tu arrêtes de travailler ce point fort le temps que le point faible reprenne le dessus. Donc, dans mon cas, eh ben, c'était mes deltoïdes qui travaillaient principalement à la place de mes pectoraux. Donc, j'ai arrêté de travailler les deltoïdes pendant plusieurs mois complètement. Enfin, je travaillais juste le faisceau postérieur qui, évidemment, ne travaille pas euh, sur du développé pour pec. Donc, évidemment, vu que c'est un point fort, eh ben, il va régresser très lentement. Il ne perdra même pas de volume. Il va juste perdre progressivement en force. Et de toute façon, ben, dans un premier temps, il continuera à être sollicité avec ton point faible. Et au fil du temps, ben, quand ton point faible va reprendre le dessus, eh ben, ton point fort travaillera de moins en moins avec. Et là, ben, il commencera à régresser de plus en plus. Et c'est là... Que tu peux éventuellement commencer à retravailler ton ex-point fort. Mais il n'y a pas besoin que tu mettes énormément de volume, sinon il va redevenir un point fort ultime, et à ce moment-là, ben, tu galéreras de nouveau à faire progresser ton point faible. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien éclairé sur les points faibles et la façon de les corriger. Donc si vous appliquez plus ou moins bien ce que je raconte ici, et que vous adaptez bien tout à vous-même, eh ben, techniquement ça va progresser de mois en mois, vous devriez voir la différence. Donc voilà. N'oubliez pas les codes des sponsors TNT Sport et Warrior Gear. Je vous prie de m'excuser pour le délai assez long pour avoir cette vidéo parce que j'avais un petit rhume qui m'a retardé. T'imagines si j'enregistre comme ça, ça va pas aller Donc voilà Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour l'album musclé qui va péter dans vos oreilles musclées Et là tu tires jusqu'en crêvé. Puff,